Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en écoutant votre signe solaire. Si ça ne résonne pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus. Vous avez ce qu'il faut dans la barre d'infos pour le calculer. Voilà, donc en tout cas, ce qui est important, c'est toujours de prendre ce qui résonne. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est que bah, il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Il y en aura peut-être le mois prochain. Il y en aura sur d'autres vidéos de collègues. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Sinon, le minutage sous la vidéo, comme d'habitude. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une consultation privée. Voilà, c'est rien de mieux si vous voulez vraiment des réponses à des questions bien précises. Voilà, vous concernant directement. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Donc, bah écoutez, on va y aller. Donc, signe par signe, hein, comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est totalement gratuit. Je ne fais aucune rémunération sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. Voilà, et suivre mes prochaines vidéos. En attendant, bah, écoutez, passez un bon mois d'avril. Plein de belles choses, je pense, ce mois-ci. J'ai déjà commencé, mais donc plein de belles choses. Voilà, vous allez voir, vous allez découvrir au fur et à mesure. Et puis, bah, en attendant, prenez soin de vous, hein, comme d'habitude, et puis restez positif, c'est important aujourd'hui de rester toujours positif et d'essayer de continuer d'avancer en tout cas. Allez, je vous laisse là-dessus, on se retrouve avec les signes, à tout de suite. Allez, c'est parti avec les béliers, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Avec tout d'abord le tarot. Alors, 4 d'épée, la justice, le roi de coupe, l'impératrice. Ici, on est dans une énergie, je dirais plutôt de repos, où vous avez peut-être une décision à prendre, ou un changement de direction, ou peut-être quelque chose que vous mettez en place. Vous voyez, avec l'impératrice, on est dans la fécondité, hein, dans les nouveaux projets, dans quelque chose qui va démarrer. Et on sent que ici, avec ces trois cartes, notamment avec la justice au milieu, vous avez peut-être besoin d'équilibrer, je dirais, le mental et le cœur. Hein, on a des coupes et des épées, donc on sent qu'il y a peut-être une bataille ici entre la raison et le cœur, par exemple, ça peut être ça. Il y a un équilibre à trouver, il y a une sorte de stabilité à retrouver, parce que le 4 d'épée suggère que il y a un temps de pause, un temps où vous allez peut-être prendre un peu de recul. On le voit ici avec le Normand aussi, par rapport à un nouveau projet, un nouveau contrat, quelque chose qui démarre, hein. Le roi de coupe, c'est le côté émotionnel, le côté où justement il faut établir un équilibre parce qu'il y a peut-être un choix à faire et ben vous avez besoin de peut-être de bien peser les tenants, les aboutissants, savoir comment vous voulez vous impliquer dans le projet que vous mettez en place. Il y a quelque chose ici, un équilibre à rétablir en tout cas. Le roi de coupe, il y a peut-être ici le fait d'hésiter entre le côté être logique et être peut-être intuitif. Vous voyez, qu'est-ce qu'on écoute? Encore une fois, la raison, le cœur. Est-ce qu'on écoute ses intuitions ou est-ce qu'on fait preuve de pragmatisme, de logique par rapport à ce nouveau projet qui démarre ou cette nouvelle situation? C'est vraiment la carte de la justice et du roi de coupe associés qui font que effectivement, on a ce temps de pause nécessaire à la réflexion pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Bon,
On a ici derrière l'impératrice le 5 de coupe. Peut-être une petite des regrets, des remords, peut-être une attention qui est focalisée sur ce que vous avez perdu, hein, c'est la perte, le chagrin ici, hein, le 5 de coupe. Donc peut-être ici quelque chose, vous vous focalisez peut-être sur le verre à moitié vide alors qu'en fait il est peut-être à moitié plein. Vous ne voyez peut-être pas les deux coupes que vous avez réellement déjà dans votre vie et parce que vous avez besoin de prendre de la distance, besoin de prendre du recul pour avoir un regard différent sur votre situation et sur ce que vous voulez mettre en place pour plus tard, ou peut-être sur une situation qui arrive. Avec le Normand, on voit bien ici que y a un départ, d'accord? Le vaisseau, l'ancre suggère peut-être du mouvement, évidemment. Un départ à l'étranger, un déménagement, on a la clé, hein, donc on essaie de trouver des solutions, on essaie de s'organiser, peut-être en rapport avec un contrat, en rapport avec le livre peut suggérer les recherches que vous faites, hein, pour trouver des solutions, pour reprendre confiance en vous. Si on est en développement personnel avec la carte de l'ours, on a ce côté reprise de confiance, en tout cas confiance, stabilité, stabilité financière, stabilité sociale, assise sociale, comme j'aime bien l'appeler. Donc ici, il y a vraiment peut-être, on essaie de s'organiser, hein, ici autour de d'un nouveau projet, d'une nouvelle situation. Peut-être ici des discussions avec quelqu'un qui peut être plus âgé, ça peut être un supérieur hiérarchique, peut-être en rapport avec un départ, un déplacement, encore une fois, un voyage. J'ai pas le côté, peut-être reconversion dans le milieu professionnel, c'est possible, j'ai pas la carte pour l'instant. Mais en tout cas, ici, on parle bien de votre évolution. Avec la carte de l'enfant, ici, on a une évolution qui est possible grâce à ici, un départ, ou peut-être grâce à une prise de recul émotionnelle. On a la carte du cœur. Donc ici, on a un affect qui est là et qui nécessite peut-être, encore une fois, avec la carte de l'encre, une stabilité, un équilibre à retrouver, notamment dans la communication. Le roi de coupe suggère qu'effectivement, il y a peut-être une petite instabilité émotionnelle, un équilibre à retrouver avec la carte de la justice pour pouvoir entamer des négociations, pour pouvoir converser avec les autres, avoir des échanges, hein, qui soient plus stables, plus matures aussi, avec la carte de l'ours. Bon. On va recouvrir, hein, pour aller voir un peu plus en détail peut-être, mais il y a vraiment ici besoin de lâcher prise, besoin de partir peut-être. Il y a une situation émotionnelle ou un départ qui impacte le cœur, hein, qui est peut-être prioritaire pour vous, sur laquelle vous êtes peut-être focus. Ça peut être vraiment un déménagement, ça peut être simplement vous qui lâchez prise, qui prenez ce temps de pause avec le 4 d'épée pour pouvoir ici démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a une évolution avec la carte de l'enfant, hein. Il y a peut-être des négociations aussi concernant peut-être. Alors, je dirais pas forcément une garde d'enfant, mais ça peut être en rapport avec un enfant. Une négociation peut-être pour le bien de l'enfant, ça peut être ça aussi. Ou peut-être, si vous voulez vous éloigner par rapport à un départ, si vous voulez partir faire un voyage, quelque chose comme ça, ici, il y a peut-être des solutions à trouver en regard de l'enfant, hein. Ouais, pour le bien-être de l'enfant, je dirais, ça peut être ça. Bon, en tout cas, ici. Si on reste dans le développement personnel, on a bien une évolution personnelle, on a cette recherche que vous faites, ce temps de pause que vous prenez dans le courant du mois d'avril pour pouvoir ici évoluer et évoluer vers quelque chose qui soit évidemment beaucoup plus paisible et qui soit plus en rapport avec votre mieux-être, hein. Ça met fin à peut-être à des blocages, ça peut mettre fin à une situation effectivement qui était bloquée depuis un petit moment. Vous voyez, avec la carte du cavalier, on peut avoir des nouvelles, on peut avoir une avancée sur quelque chose qui était bloqué, hein. On a une aide ici, hein, peut-être par l'intermédiaire de quelqu'un de plus âgé, peut-être par une autorité aussi, c'est possible, hein, qui permet de trouver des solutions à une problématique. Je pense plutôt de départ, hein, de voyage, de déplacement, de déménagement, de choses comme ça. Il y a des négociations qui sont en cours. Alors après, on peut imaginer, par exemple, aussi une délocalisation, par exemple, au niveau entreprise. On peut avoir envie d'aller habiter à l'étranger, hein, ça peut être ça aussi. Bon, c'est vraiment dans cette optique-là, en tout cas.
Il y a un redémarrage, il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose que vous voulez, que vous désirez, que vous mettez en place et vous êtes obligé de vous organiser, de trouver un équilibre par rapport à cette situation voulue. Et du coup, ici, eh bien, on a besoin peut-être de prendre un peu de recul pour pouvoir négocier, pour pouvoir en parler, pour pouvoir discuter autour de ça, pour pouvoir stabiliser peut-être aussi ce départ. Hein, voilà, donc voyez comment ça peut vous correspondre. Bon, allez, sur le vaisseau, on va aller voir, on va recouvrir, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, ça peut être une proposition, d'accord? Ici, il y a une proposition, ça peut être un contrat, ça peut être une invitation, ça peut être un déménagement, ça peut être un document que vous signez qui vous oblige à partir, d'accord? Ça peut être ici, vous avez acheté une maison, par exemple, vous êtes obligé de déménager, ben vous vous organisez par rapport à ça, d'accord? Vous essayez de trouver des solutions, ça peut être ça, mais on passe un mois d'avril à essayer de stabiliser peut-être les plans, hein? Voilà. C'est comme si vous étiez en train de mettre en place un projet, comme si vous étiez, je sais pas, architecte, et que là, vous êtes en train de planifier, vous êtes en train de faire les dessins, en train de faire les plans pour votre futur, pour une future maison. D'accord? Ça peut être ça. Enfin, c'est l'image, en tout cas. Sur les oiseaux, on va aller voir un petit peu. Alors, évidemment, on a encore les échanges. Ça peut être des échanges écrits, ça peut être des courriers que vous recevez, ça peut être des négociations au travers de mails, au travers de courriers, au travers de... Voilà. Hein. Ça peut être financier ici. Hein, on a vraiment... Alors, les poissons représentent en général l'abondance, représentent aussi peut-être le côté argent, le côté financier. Donc, il peut y avoir des nouvelles, il peut y avoir des négociations à faire au niveau financier pour pouvoir envisager peut-être un voyage à l'étranger ou un... alors, ça, c'est plus qu'un voyage, hein, c'est peut-être une installation à l'étranger. Ça peut être aussi ça. Hein. Mais les poissons, c'est aussi la communication, la fluidité dans les communications. Donc, bon, ici, en tout cas, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication en rapport avec cette proposition. Avec une troisième carte, on va voir un petit peu. Oui, bon voilà, on a la carte du consultant, homme ou femme, peu importe. Ici, voilà, hein, ça suggère de nombreuses négociations, de nombreuses discussions, des échanges, des solutions à trouver. Hein. On a quand même la carte de la clé, peut-être des documents un peu officiels à trouver, des rentrées d'argent à trouver. Vous voyez, c'est vraiment, on essaie de planifier les choses, on essaie d'organiser les choses en vue de cette évolution, en vue de ce nouveau départ. Derrière le 5 de coupe, qui demande peut-être à changer votre regard, hein, sur la situation, avoir plutôt le côté positif que le côté négatif. Derrière, vous avez quand même le page de bâton, le valet de bâton, ce qui fait que c'est une nouvelle énergie, c'est quelque chose qui vous demande, pour lequel vous êtes motivé, vous avez envie d'y aller, avec une petite incertitude quand même, des petites peurs, hein, la peur peut-être d'échouer, la peur de manquer, la peur de l'inconnu, hein, ça peut être tout à fait ça. Alors, sur l'ours, on a encore une fois les discussions. Donc certainement des discussions avec des personnes qui sont officielles, des personnes qui sont compétentes, des supérieurs, des personnes qui sont peut-être plus matures, plus âgées. Ça peut préfigurer aussi des conversations que vous avez qui sont dans la construction, qui sont constructives, d'accord? C'est pas des blablas, voilà. Hein. Donc on est vraiment dans... Il y a vraiment une énergie ici de planification, de nouveaux projets, de mise en place. Voilà. Bon, il peut y avoir des conflits. On peut ne pas être d'accord. Ici, peut-être qu'il y a des petits soucis de négociation avec un supérieur hiérarchique. On n'est pas forcément d'accord. Alors, ça peut simplement aussi dire que vous êtes en tension. Hein, vous êtes un petit peu sous tension ici. On met la troisième carte.
Ouais, ça peut être professionnel hein, ici, d'accord? Alors, quand je dis professionnel, ça peut être effectivement en rapport avec, par exemple, une proposition d'aller travailler à l'étranger, pourquoi pas, ou d'aller travailler loin de chez vous, d'être obligé de déménager, d'être obligé de changer quelque chose dans votre routine quotidienne. Donc, pas mal de tensions professionnelles, peut-être pour des négociations salariales, financières, de rémunération pour ce voyage, des dédommagements peut-être aussi, hein, une augmentation, je ne sais pas ce que vous pourriez négocier. Mais ça peut suggérer simplement aussi le fait d'être un petit peu dans la stratégie. Hein, le renard, c'est si ce n'est pas professionnel, c'est simplement le fait de faire preuve de stratégie par rapport aux discussions. Donc peut-être faire preuve de diplomatie, être un petit peu sans pour autant être manipulateur. Quoique, hein, j'ai un peu cette notion-là d'être un petit peu manipulateur dans les discussions pour pouvoir arriver à vos fins. Hein. Donc, bon, faire preuve de ruse, de diplomatie, ménager la chèvre et le chou, vous voyez un petit peu ce genre de choses, afin d'arriver ici à une conclusion. Alors, sur la carte du cœur, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de temps. Hein. C'est vraiment, pour moi, ce mois d'avril, c'est une transition. Une transition, alors pas forcément une transition douce. Ça peut être une transition qui est un peu musclée au niveau certainement des échanges. Mais il y a quand même ce besoin de changer votre regard, de prendre un peu de recul pour pouvoir trouver cet équilibre qui va être nécessaire pour dominer ce côté émotionnel, comment dire, pour calmer peut-être un petit peu des ardeurs, notamment au niveau de la communication, pour arriver à vos fins, hein, pour arriver à démarrer quelque chose. Alors, sur la carte du cœur, ouais, c'est quelque chose de voulu, hein. C'est quelque chose qui est désiré par vous. Vous avez vraiment envie ici d'évoluer, vous avez vraiment envie d'atteindre un but, un objectif, un rêve que vous souhaitez. Et vous êtes ici peut-être, ça peut être un rêve d'enfance, par exemple. D'accord? Ici, peut-être que certains d'entre vous ont cette envie de réaliser quelque chose en rapport avec son enfance. Voilà, vous aviez un projet, vous aviez le rêve de, je sais pas, de partir en Australie, ben vous êtes en train de le mettre en place. Oui, ça peut être ça. Bon, en tout cas, une évolution en rapport avec vos propres valeurs, avec ce que vous désirez le plus. On est un peu focalisé là-dessus, hein, on a vraiment envie d'y arriver. Bon, sur l'ancre, on a le bateau. Voilà, ça se répond, hein, les cartes. Résonne. Donc, on a bien un déménagement, on a bien un voyage, un éloignement, un déplacement, quelque chose qui va vous projeter sur une nouveauté, sur une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vivre, un nouveau projet, quelque chose qui démarre. D'accord? Alors, ça peut être physiquement, évidemment, parce qu'il peut y avoir ici des déménagements, il peut y avoir, voilà, des voyages à l'étranger, je l'ai dit, il peut y avoir plein de choses comme ça, mais ça peut être simplement ici le fait de lâcher prise pour pouvoir retrouver cet équilibre qui va vous permettre de mettre en place de nouveaux projets. On n'est pas non plus dans, on va pas forcément tout chambouler sa vie au point de tout quitter du jour au lendemain. Hein. On n'est pas forcément dans cette énergie-là. On est dans une énergie, effectivement, de renouveau, de mise en place, d'organisation, et aussi de lâcher prise par rapport à cet équilibre que vous avez besoin de retrouver. Ouais, il y a bien une opportunité de voyage pour certains, il y a bien une opportunité de déménagement pour d'autres, il y a bien une nouvelle quelque chose qui démarre, qui vous permet de vous éloigner. Hein. Avec la carte du trèfle et du bateau, on a ce lâcher prise quand même. Hein. On a le côté, on souffle, hein, on souffle pour retrouver cet équilibre en développement personnel. Oui, ben voilà, en plus avec la carte de l'arbre, ça complète, hein, ça complète vraiment. On a ce côté encore stabilité avec la carte, avec l'arbre. On a ce côté peut-être équilibre au sein d'une famille, hein. Ça peut concerner un enfant, encore une fois, je le disais tout à l'heure. Ça peut concerner l'évolution d'un enfant, le départ du domicile familial, par exemple, si vous êtes cet enfant-là, ou si c'est un de vos enfants qui est concerné, ça peut être ça aussi. Il y a tout ça à gérer, d'accord? En tout cas, il y a ce côté émotionnel à équilibrer parce que on sent que ça impacte ici votre cœur et vos émotions, vos ressentis.
Sur la carte de la clé. Bon, on a la femme. Ça va être une problématique de couple. De lâcher prise sur un projet de couple ou de lâcher prise sur un côté familial par rapport au départ de l'enfant du foyer familial. Ça peut être par rapport à votre propre évolution, les discussions que vous pourriez avoir au niveau de avec votre partenaire de vie, par exemple, pour pouvoir partir, pour pouvoir vous déplacer ou vous éloigner un peu. Ça peut être en rapport avec une relation à distance aussi, pourquoi pas. Ici, on peut aller essayer de planifier un voyage pour aller retrouver l'autre, hein, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, on a une avancée, on a des nouvelles. La carte du cavalier suggère le déplacement, suggère les nouvelles. Hein, voilà, donc encore une fois, par rapport à une relation. Peut-être même une visite, pourquoi pas. Ça peut être ici le fait d'envisager, comme je disais tout à l'heure, un voyage qui peut être à l'étranger ou loin de chez vous pour aller retrouver quelqu'un, pour aller rendre visite à quelqu'un. En tout cas, c'est sans pour autant concrétiser dans ce mois d'avril... ce projet, vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes vraiment en train de prendre le temps de pause nécessaire pour vous organiser, pour démarrer quelque chose à ce niveau-là. Alors, la dernière carte, c'est la faux. Effectivement, ici, peut-être, il y a une décision à prendre concernant l'avancée sur un dossier, l'avancée sur ce projet. Il y a besoin peut-être de prendre des décisions suite aux nouvelles que vous allez recevoir. Voilà, peut-être que vous avez une invitation pour aller faire un voyage et qu'il va falloir prendre la décision d'y aller ou pas, d'accord ? La carte de l'ours suggère effectivement, encore une fois, le fait d'être en reprise de confiance, d'avoir à trancher peut-être sur d'être mature dans une décision que vous devez prendre, dans une signature que vous devez avoir, avoir confiance en vous. Ça peut être une signature avec quelqu'un qui est plus âgé, ça peut être ça, ou un projet avec quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un de votre foyer, ça peut être ça. En tout cas, il y a une décision à prendre. Et là, on va vous demander peut-être ici de vous affirmer aussi, avec la carte de la faux et de l'ours, il y a une question d'affirmation de soi, pour pouvoir peut-être, alors un équilibre évidemment à retrouver, pour peut-être ici évoluer, d'accord ? On a ici vraiment une décision, une nouvelle direction à prendre. On sent que ce n'est pas facile parce qu'il y a ce 5 de coupe derrière. Il y a besoin de changer son regard, besoin d'équilibrer le côté émotionnel, le côté chagrin, tristesse, le côté joie, envie. Vous voyez, ça peut être ça, raison, cœur. Bon, c'est un peu les énergies dans lesquelles vous êtes dans ce mois d'avril. On va aller voir le côté relationnel, même si on en a parlé, on va quand même aller le voir. Bon, pour le côté relationnel, alors sentimental, amical, familial, simplement relationnel, hein, ça peut, voilà. On voit bien qu'ici, il y a un nouveau départ, d'accord, qui correspond effectivement à la carte de l'impératrice, envie de concrétiser un nouveau projet. Alors évidemment, on a l'amour qui est là. Bon, bah donc effectivement, ça peut être un nouveau projet amoureux, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être renforcer ses sentiments dans sa relation actuelle si vous êtes en couple. Ça peut être simplement une relation amicale. Hein. Il y a ici un départ, donc ça peut être un départ physique aussi. Il peut y avoir des retrouvailles par rapport à une relation. On a la carte de la fidélité. Alors, la carte de la fidélité me parle effectivement de ça, de fidélité, hein, d'avoir envie de concrétiser des choses avec quelqu'un avec qui l'on est, ou peut-être pour rester dans la lignée, la continuité de ce que l'on a envie pour soi. La carte de la fidélité ici me fait penser aussi à une relation cachée. Bon, les feuilles devant le cœur, ça m'a toujours fait penser à ça. Donc peut-être une relation à distance ici, hein, que vous avez envie de concrétiser, de voir, de la voir évoluer et vraiment prendre forme. Mais on sent, alors peu importe la situation, je dirais, on a vraiment envie de concrétiser un nouveau projet, que vous soyez célibataire ou en couple.
Mais on sent ici avec la carte de l'emprise et la carte de l'arrêt que vous avez une dépendance. Alors ça peut être une dépendance, effectivement. J'ai pas l'impression que c'est une dépendance à ce nouveau projet. C'est plutôt ici en rapport avec le 5 de coupe, d'accord? Et le 4 d'épée, du coup, il y a peut-être ici une dépendance en rapport avec des peurs, des croyances limitantes, des choses qui vous ont mis pendant un petit moment à l'arrêt. Ça peut être des souffrances, hein, des mauvaises expériences que vous avez connues, des choses qui se sont mal passées auparavant, pour lesquelles vous êtes toujours ici peut-être en souffrance. Mais dans ce mois d'avril, on voit que vous faites les choses pour ici remettre de la légèreté, pour lâcher prise. Encore une fois, on est dans le lâcher prise ici, par rapport à une envie que vous avez de redémarrer, une envie que vous avez de concrétiser un nouveau projet. D'accord? Donc peut-être ici une nouvelle rencontre, c'est possible, qui fait que ben, vous avez vraiment envie de vous sortir de cette énergie un peu négative, un peu de ce 5 de coupe. Vous avez envie de regarder les deux coupes ici qui sont pleines plutôt que de regarder les trois qui sont vides. Hein, ce que vous avez perdu ici, c'est ce qui vous a causé du chagrin, c'est une rupture, c'est une déception que vous avez eue. Et on voit que vous lâchez prise là-dessus pour pouvoir aller de l'avant et concrétiser autre chose. D'accord? On peut très bien parler, je ne sais pas, vous avez subi une rupture le mois dernier. Ben là, ici, on reprend confiance, on lâche prise. On lâche prise sur ses souffrances, sur les dépendances que l'on peut avoir, sur ses peurs aussi, pour pouvoir ici redémarrer. Alors après la carte de l'amour, on a l'intérêt, voilà, vous retrouvez des choses, enfin des intérêts, vous retrouvez la motivation, vous retrouvez oui, l'intérêt, enfin j'avais trouvé le mot, je le cherche depuis tout à l'heure, vous retrouvez l'envie. L'envie d'avoir envie, c'est un peu ça, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et effectivement, ici, ça peut attirer, ça peut faire, voilà, bah, attirer derrière, on a l'attirance, ça peut attirer le fait, effectivement, d'avoir une nouveauté qui rentre dans votre vie. Le coup de foudre, c'est ça, c'est l'événement imprévu, c'est la rencontre, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie comme ça, sans crier gare. Et en tout cas, il y a une sorte de libération qui vous permet d'aller vers de nouveaux projets. D'accord? Donc la libération, c'est le fait de retrouver l'équilibre, c'est le fait de stabiliser une situation en prenant du recul, en prenant ce temps de pause qui est nécessaire pour se débarrasser d'énergie négative, pour se débarrasser de ce 5 de coupe et d'aller vers une nouvelle aventure avec ce page de bâton. D'accord? Donc on est encore une fois dans ces énergies d'organisation, de concrétisation de nouveaux projets, de nouveaux départs, peut-être encore une fois ici d'aller rendre visite à quelqu'un à distance, de concrétiser une relation qui est loin de vous, hein, pour laquelle vous devez vous déplacer, ça peut être ça, une relation cachée, hein, voilà, vous entretenez une relation virtuelle avec quelqu'un qui est loin, qui est dans un autre pays, qui est à 500 km. Ici, évidemment, vous allez lâcher prise sur les soucis, les souffrances que vous aviez auparavant afin de concrétiser ce nouveau projet. Donc c'est vraiment une belle énergie, hein. C'est vraiment une énergie de renouveau. Je ne dis pas que vous allez concrétiser dans ce mois d'avril parce que j'ai pas les cartes qui disent que vous allez vraiment arriver à... Bon, il y a la carte de l'empereur derrière quand même, hein. Derrière ce nouveau projet, derrière ce nouveau démarrage, on sent que vous reprenez confiance et que vous reprenez une certaine place, hein. Ça permet de retrouver une certaine place, une concrétisation de vos projets. Après, fin avril, début mai, début juin, voilà, hein, c'est l'énergie. Donc en fait, on est bien dans ce cadre-là de s'éloigner de choses qui vous ont maintenu un petit peu à l'arrêt, dans ce cadre d'épée, de prendre un peu de recul, de finir ce moment de pause pour pouvoir ici rétablir un équilibre, certainement un équilibre intérieur, une stabilisation intérieure pour aller vers de nouveaux projets. Donc c'est très 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 positif en tout cas. Allez, on prend pour finir. Les petits conseils de l'univers. On va aller voir un petit peu ce qu'il vous conseille pour ce mois d'avril. Alors, on a épanouissement total, abondance. Bon, bah, voilà. Guérissez vos blessures émotionnelles. Vous voyez, on est bien ici dans le roi de coupe, hein.
Vous êtes protégé. Méditez. Soyez vous-même. Vous voyez, il y a ce côté « je guéris de mes blessures émotionnelles ». Donc, il y a vraiment un côté ici « roi de coupe hein. ». Voilà, de trouver un équilibre. Justice, roi de coupe. Trouver un équilibre dans ce domaine-là pour pouvoir ici accueillir l'abondance, l'épanouissement total. Il y a une notion de, effectivement, 4 d'épée, hein, de méditer, de prendre un peu de recul, un temps de pause, d'être vous-même pour pouvoir d'écouter votre intuition. C'est ça qui va vous permettre effectivement d'aller dans la bonne direction. Avec le roi de coupe, on a cette possibilité soit d'agir avec votre mental, votre logique, votre pragmatisme ou d'écouter votre intuition. Et là, effectivement, le conseil, c'est écouter votre intuition, d'accord? Et du coup, ça va vraiment vous permettre de dire au revoir à toutes vos blessures émotionnelles, à dire au revoir à tout ce qui ne vous correspond plus pour aller chercher votre épanouissement total, votre abondance, donc de nouveaux projets, des choses que vous avez vraiment envie de mettre en place. Voilà les béliers. Bon, ben, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois d'avril et moi je vous retrouve très très vite de toute façon sur d'autres vidéos. Et puis ben, en attendant, prenez soin de vous et restez positif. À très vite.